D'ouvrir le salon de thé. Je vais en profiter pour nettoyer le frigo. Oh, j'avais oublié, je l'ai déjà nettoyé hier. Nettoyer le four alors. Oh, il étincelle, je l'ai fait avant-hier. Tout est impeccable, je n'ai plus rien à faire. Hé, hey, Clafoutis, veux-tu aller cueillir des fraises avec moi? Ça, ça veut dire oui ou je ne m'y connais pas. Hé, hey, attends-moi! Clafoutis, reviens ici tout de suite! Bonjour, Charlotte aux fraises! Bonjour, Pouty! Bonjour, Charlotte aux fraises! Bonjour, Baba Hortensia! Oh, bonjour, Charlotte aux fraises! Salut, Lily Framboise! Salut, Charlotte aux fraises! Bonjour, Mimi Citron! Qu'est-ce qu'ils sont si bons? Oh, c'est mon shampoing au citron, il te plaît? Oh oui, je l'adore! Super! J'ai aussi un nouvel après-shampoing aux fraises qui t'ira à merveille! Repasse plus tard, je t'en donnerai un flacon! Merci, Mimi Citron! Bonjour, plein d'orangers! Bonjour, Charlotte aux fraises! Où vas-tu, Citron? Je vais cueillir des fraises dans la vallée, mais il faut d'abord que j'attrape Clafoutis. Veux-tu que je te rapporte quelque chose? Oui, je veux bien quelques pépins de tournesol. Pas de soucis. Clafoutis! Me voilà enfin! Attendez-moi sagement. Je vais cueillir des pépins de tournesol pour fleurs d'oranger. J'en ai suffisamment. Chez notre petite Charlotte aux fraises. Je vous trouve bien matinale aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait rétrécir les fruits? C'est ma dernière invention et j'en suis très fière. C'est un engrais qui fait pousser des fruits et des légumes frégimini. Plus besoin de faire rouler les pommes jusqu'en ville. À présent, elles sont exactement de la bonne taille.
Mmh, et elles sont fraisées délicieuses. Merci. Seulement, voilà, il y a un tout petit problème. Ma frangipane récolte est beaucoup, beaucoup plus abondante que prévu. Merci, Charlotte. Il faut apporter ces caisses de fruits et légumes au magasin avant qu'ils se gâtent. Fleur d'oranger va en tomber à la renverse, elle sera enchantée. Je vais vous aider, petit pépin lancin, c'est bon. Fil, c'est bon. Bouton, pression, lacet et ruban, c'est bon, c'est bon, c'est bon. As-tu besoin d'autre chose? Non merci, Fleur d'oranger, c'est tout ce qu'il me fallait. Alors à très bientôt et merci d'avoir fait tes courses chez Fleur d'oranger. Le magasin où il y a une place pour chaque chose et où toute chose trouve sa place. Bonjour, Fleur d'oranger. Oh, bonjour, petit pépin bricoleur. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? J'ai besoin de 3 boulons 6 clous, un marteau, 10 torchons, 2 paires de chaussettes et une demi-douzaine de planches en bois. Tout de suite. Oh, quelle essence de bois? À vrai dire, je n'y ai pas réfléchi. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Alors, j'ai du pin, du cerisier, du chêne, du saule, du châtaignier, du platane, de l'orme, du frêne, du hêtre, du tilleul, du peuplier, de l'érable, de l'épicéa, du sycomore, du teck, du merisier, du noyer, du bois de rose et de l'acajou. Et je fais une remise spéciale cette semaine sur l'acajou. Dans ce cas, je vais prendre de l'acajou. Excellent choix! As-tu besoin d'autre chose? Est-ce qu'il te reste des pépins de tournesol? Oh, j'ai tout vendu. Mais j'attends une livraison d'une minute à l'autre. Bouh, Fleur d'oranger, j'ai tes pépins de tournesol! Qu'est-ce que je disais? Quand je n'en ai pas, j'en trouve. Faites vos courses chez Fleur d'oranger! Le magasin où il y a une place pour chaque chose et où... Oh, toute chose trouve sa place. Bonjour, Fleur d'oranger. Auriez-vous un peu de place dans votre magasin pour vendre mes délicieux fruits et légumes frais et mini fraîchement cueillis de ce matin? Ils viennent de mon jardin, je les ai fait pousser moi-même. Waouh! Oui, bien sûr. Certainement, mettez tout à l'intérieur. Il y a beaucoup de cajou, Fleur d'oranger. Veux-tu que je t'aide à faire de la place? Oh non, 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 non. Merci, c'est gentil. Je préfère me débrouiller toute seule. D'accord, comme tu voudras. Mais si tu as besoin d'aide pour les mettre en rayon... Tu vas me vexer, Charlotte aux fraises. Tu sais bien que l'organisation, c'est mon point fort. C'est bon, déchargez la marchandise. Voyons, pralinette. On ne joue pas avec la nourriture. Waouh! Vous ne pensez pas que le magasin où toute chose trouve sa place a beaucoup trop de choses et plus assez de place? Fleur d'oranger a besoin d'un coup de main. Elle ne veut pas de notre aide, elle dit qu'elle gère la situation. Voulez-vous voir ce qu'elle appelle gérer la situation? C'est vrai? Qu'est-ce que je dois faire? Je veux dire, est-ce que je dois lui en parler? Elle qui se vante toujours d'être super organisée, ça va la vexer. C'est un risque, mais on ne peut pas se taire non plus. Fleur d'oranger? Oh, oui, qu'y a-t-il, Charlotte aux fraises? Des oranges et des carottes. Tu trouveras les oranges dehors entre les prunes et les petits pois. Les carottes sont juste avant les concombres. Oui, j'ai vu, mais... Si tu arrives aux tomates, c'est que t'es allée trop loin. Ce que j'essaie de te dire, c'est que... Enfin, le problème, vois-tu? Le problème? Il y a un problème? Oh non, juste... un petit souci. Quel petit souci? Oh, eh bien, les oranges et les carottes sont en train de...
dépérir au soleil. Oh, le soleil! C'est bon, j'ai trouvé la solution, tout va s'arranger, ne vous en faites pas. Il ne manquait plus que cette histoire du soleil. Oh, encore une bourde comme celle-là et mes amis penseront que je ne sais pas tenir ma boutique. Ça va, fleur d'oranger? Oui, bien entendu, le problème est résolu. Fleur d'oranger, es-tu sûre qu'on ne peut rien faire pour te soulager un peu? Oh, je te remercie, Charlotte, mais je contrôle parfaitement la situation. J'avais besoin de me rafraîchir un peu. Je vois. Bon, on va prendre le petit déjeuner au salon de thé. J'ai du travail. Je te garderai des gaufres au chaud, d'accord? Tu nous rejoindras plus tard. Bien, à qui le tour? Je n'ai vu personne depuis le petit déjeuner. Toute la ville se bouscule chez Fleur d'Oranger. Tu te rends compte? J'ai eu le temps de réorganiser ma cuisine, de ranger mes épices par ordre alphabétique et là, je dessine des plans pour réaménager ma chambre. Fleur d'Oranger doit être débordée. C'est dommage, on aurait le temps de l'aider. Je suis d'accord. Mais elle est trop fière pour accepter de l'aide. Pour elle, c'est synonyme d'échec. Est-elle venue prendre son petit déjeuner? Non. Alors j'ai fini par donner les gaufres que j'avais mis de côté pour elle. Au moins, elles n'ont pas été perdues pour tout le monde. La pauvre, elle doit être affamée. C'est déjà l'heure du déjeuner. Je lui ai préparé un sandwich. Je vais le lui apporter, je te tiendrai au courant. D'accord, à tout à l'heure. Pas de soleil, ni de petites siestes à l'ombre des grands cocotiers. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que toute l'île est fermée pour cause de mauvais temps. Qui a dit qu'on devait aller jusqu'à l'île? Qu'est-ce que tu proposes d'autre? De la faire venir jusqu'à nous? Absolument! En voilà une bonne idée! Voilà! Si on ne peut pas aller à la baie des Alizés, la baie des Alizés viendra à nous! Est-ce que vous avez compris ce qu'elle a dit? Plus ou moins, surtout moins. Attendez, je vais vous montrer! Je vais nous construire la réplique exacte de l'hôtel de la baie des Alizés, avec une belle plage de sable rose, des transats et une rangée de mini-cocotiers. Mais où ça? Ici, à Fraisie Paradis, au bord du lac. On aura l'impression d'être au bout du monde. Ce sera notre petit coin de paradis à nous, et tous nos amis pourront venir s'y détendre et s'y reposer. Et peut-être qu'un jour, on pourra y ouvrir un hôtel de luxe qu'on baptisera la Fraisie Baie des Alizés. C'est un très beau projet, mais tu ne penses pas que c'est un petit peu trop ambitieux? Oui, c'est vraiment magnifique, mais ce ne serait pas un tout petit peu irréaliste? Voire carrément infaisable? Mais oui, c'est ambitieux, irréaliste, infaisable, impossible, tout ce que vous voudrez. Et c'est pour ça que je suis la seule à pouvoir le réaliser. Ça va juste demander un peu de travail, mais ça ne me fait pas peur. Fille du soleil. Vous croyez qu'elle peut créer une station balnéaire? Elle ne se rend pas compte du travail que ça représente. Elle a toujours tendance à voir un peu trop grand. La pauvre, je ne voudrais pas qu'elle soit déçue. Je crois que Fleur d'Oranger est capable de faire des miracles pour peu que ses amis la soutiennent. Qu'en pensez-vous, les filles? Très bonne idée, allons lui donner un coup de main. En avant, les amis. Pour faire l'impossible. Est-ce qu'on peut t'aider, Fleur d'Oranger? Eh bien, laissez-moi réfléchir. Ah oui, voilà ce que vous pouvez faire. Mimi Citron, aide Petit Pépin l'Ancien à planter les cocotiers. Baba Hortensia, installe les transats là-bas. Pruntille et Charlotte aux fraises, préparez-nous des plats tropicaux. Lily Framboise, aide Petit Pépin Bricoleur à créer du sable rose. Cerisette, plante les parasols. Et hop. Voici la première mouette, plus que 1999 autres. Ce rose tire sur le fuchsia, et moi je veux du rose bonbon. La baie des Alizés est réputée dans le monde entier pour sa plage de sable rose bonbon, regarde. Oh. Et si on ajoutait un peu de jus de pamplemousse rose au mélange, ça éclaircirait peut-être la couleur? Excellente idée, va surveiller la coloration et dis à Mimi Citron... Oh non! Cerisette, arrête! Les parasols vont ici, pas là-bas. Pas mal pour un premier essai, je trouve. En toute modestie, bien entendu. Oh,
pas mal du tout les lits framboises, mais pas encore parfaits. Il faut qu'ils ressemblent exactement à celui de la brochure de l'hôtel de la baie des Alizés. La station est réputée pour la beauté incomparable de ses châteaux de sable. Regarde-toi-même. Mais comment veux-tu que je... comment je vais... Ce n'est pas très compliqué, voyons. Détruis celui-ci et recommence jusqu'à ce que ce soit parfait. Oh. C'est parfait, merci. C'est suffisamment profond pour pouvoir planter nos magnifiques cocotiers miniatures. Où sont les cocotiers que vous deviez faire pousser? Les voilà! Par contre, je crains qu'on ait un petit problème de taille. J'ai dû faire une erreur de dosage dans les engrais parce qu'ils ne sont pas à proprement parler miniatures. Ils sont comment, alors? Eh bien, disons qu'ils sont plus petits que les vrais, mais plus grands que prévu. Ce qui peut être un avantage ou un inconvénient. C'est selon... Selon quoi? Selon la quantité d'ombre souhaitée. Hé, hey, les gars, apportez-nous un cocotier. Le plus petit d'abord, s'il vous plaît. Je vois, oui, je crois que ça va faire un peu trop d'ombre, effectivement. Tranquillisez-vous. Laissez-moi 24 heures supplémentaires et j'en ferai pousser d'autres exactement de la taille voulue. Merci, les amis. Apportez les cocotiers dans la vallée. Voyons voir, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Fleur d'oranger, viens voir mon château. J'arrive, Lily Framboise. Quel château? Oh, il... j'aurais pourtant juré, mais je... Oh. Et si on ajoutait un peu de citronnade? Eh bien, moi, je trouve ça très joli. Oh, mais à force de faire des mélanges, ça commence à sentir mauvais. Oh, non, 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 c'est pas ça du tout. Il faut que le sable soit exactement du même rose que celui de la baie des Alizés. Ou alors, on ne pourra pas rebaptiser cet endroit la Fraisie Baie des Alizés. Vous êtes prêts, les gars? Essayons la machine avant. Non, arrêtez, ça ne va pas, on ne sent pas du tout le vent. Il me faut un alizé, une brise douce et régulière. Recommencez. Mais mettez-y un peu plus d'énergie. Ça y est, il est parfait. J'espère que Fleur d'Oranger s'en remettra. Venez les amis, allons la réconforter. Est-ce que ça va, Fleur d'Oranger? On sait que tu as travaillé très dur. Tu n'as pas de regrets à avoir, tu as fait de ton mieux. C'était un projet fraisier ambitieux, reconnais-le. Qu'est-ce que vous disiez? La station balnéaire? Tout ce travail? Envolé? Tu te souviens? J'ai compris d'où venait le problème. C'est parce que mon dessin était faux, archi faux. J'ai téléchargé les plans de l'hôtel de la baie des Alizés sur Internet. À présent, on va pouvoir le reproduire dans les moindres détails. Bien entendu, on devra mettre les bouchées doubles ou même triples pour construire notre hôtel. Le travail d'équipe, c'est ça le... Rassurez-moi, elle a dit ça pour plaisanter. On ne va pas construire un palace, c'est impossible. Si on entre dans son jeu, ce sera un nouvel échec et une nouvelle déception. Restez là, je vais aller lui parler. 18, 19, 20. Fleur d'oranger. Ah, Charlotte aux fraises, c'est gentil d'être venue. Tu vas m'aider à creuser les fondations du futur hôtel. Mimi Citron mélangera le ciment, Prunty installera la plomberie, Lily Framboise posera les fenêtres, Baba Hortensia le plancher. Je montrerai la charpente et Cerisette fera... Eh, où sont Mimi Citron, Prunty, Lily Framboise, Baba Hortensia et Cerisette? Il faut se mettre au travail. Elles ne viendront pas. Pour quelle raison? Il y a un problème? Eh bien, je me demande si ce n'est pas tout simplement parce que tu as pris le mauvais plan. Ah bon? Oh non!
Pendant un instant, tu m'as fait douter. J'ai cru que je m'étais trompée. Mais non, je te confirme que c'est le bon plan. Celui qui a servi à construire la baie des Alizés. Regarde. C'est exactement ce qu'on voit sur la photo de la brochure de l'hôtel, au moindre détail près. La plage, le palace, les transats, les cocotiers. Mais, et ton dessin alors? Il est complètement raté. Oh, moi je le trouve très bien. Oh, arrête, Charlotte Fraise, regarde. Ce n'est pas un plan, ça manque de détails. Tu vois la plage? Elle est beaucoup trop petite et les transats ne sont pas au bon endroit. Et... Peut-être, mais tu ne crois pas que c'est ça le détail le plus important du dessin? Hein? De quoi est-ce que tu parles? De ça, là, sous mon doigt. Regarde, c'est nous. On s'amuse. On passe de bonnes vacances tout ensemble. Et ce n'est pas ça le plus important? Si, bien sûr, mais est-ce qu'on ne s'amuserait pas encore plus sur une grande plage comme celle-là? Avec de vrais cocotiers, comme sur l'image. Et... Je crois que le plus important, c'est d'être en vacances ensemble et de passer de bons moments. Oui. Maintenant que j'y pense, je n'ai pas été drôle ces jours-ci. Je n'ai pas arrêté de vous donner des ordres. On aimerait bien t'aider à réaliser ton rêve, Fleur d'Oranger. Seulement, tu sais quoi? Peut-être qu'on n'a pas besoin d'un hôtel de luxe en fin de compte. Peut-être qu'on peut se passer de cocotiers. Et si on construisait plutôt des petits bungalows, un petit coin de paradis juste pour nous? C'est une fraisie bonne idée, Fleur d'Oranger. Ça va plaire à nos amis. Et si je vous promets d'être une chef de chantier drôle et sympathique? On t'aidera. Là, là ou là? Et toi, Lily Framboise, construis des châteaux de sable de la forme qui te plaira. Le principal, c'est que... Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que tu as sur la tête? C'est ma dernière spécialité. Je sculpte des chignons en forme d'animal et je les parfume. Justement, à propos de coiffure, on aimerait bien prendre rendez-vous, Cerisette et moi. Désolée les amis, mais comme vous le voyez, je n'ai pas le temps, je dois m'entraîner. C'était un tigre? J'aurais dit un zèbre personnellement. Bon, en tout cas, c'était un animal à rayures. Bonjour les filles, Lily Framboise n'est pas avec vous? Elle nous rejoindra un peu plus tard, elle finit de coudre sa robe. Quant à Mimi Citron... Laissez-moi deviner, elle a presque recréé un zoo. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Peindre une montagne enneigée pour le décor de la princesse Fraisinette. Pas de soucis. Je sais que tu es très occupée avec tes chignons. Oh non, 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 non! Oh, Lily Framboise, tu es plus importante que mes chignons, voyons. Allez, viens, on va le retrouver. Waouh, vous avez bien travaillé, dis donc. J'ai fait l'éclairage. Waouh, oh,
quelle jolie couleur! C'est magnifique, tu as fait un travail formidable! Tout le monde a participé! Tout le monde sauf moi! Viens, il faut qu'on trouve ce clavier! Dans mon atelier? Mais j'ai déjà regardé! Juste un petit coup d'œil! Mais était chignon, tu as passé tout l'après-midi à m'aider! Ne t'en fais pas, c'était pour ça les amis! Quelle merveille! C'est la robe que je devais porter sur scène demain soir. Oh! À présent, c'est tout ce qu'il me reste. Et ça aussi, c'est un enregistrement de mon récital. Mais c'est inutilisable, il y a 9 fausses notes. Oh, oh. Demain soir, ce n'est pas un récital, c'est un concours de talent. Lily Framboise, tu monteras sur scène, je te le promets. La découvreuse de talent est arrivée. Bienvenue au premier concours de talent de Fraise et Paradis. Chez moi, Petit Pépin l'Ancien qui serait votre hôte ce soir. Au fait, savez-vous qu'un bébé Petit Pépin a mangé sa feuille d'exercice la semaine dernière? C'est la faute de son professeur de mathématiques. Il lui avait dit que c'était du gâteau. Et savez-vous comment Charlotte aux Fraises s'y prend pour empêcher Clafoutis d'aboyer sur le siège arrière du minibus de Cerisette? Eh bien, il le fait asseoir sur le siège avant, pardi. Qu'est-ce qui est minuscule, rouge et vert, et qui monte et qui descend? Un petit pépin dans un ascenseur, bien sûr. C'est une excellente idée de demander aux filles de défiler avec moi. À plusieurs, on aura beaucoup plus de succès. Merci. De rien, Mimi Citron. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir chaleureusement Mademoiselle Mimi Citron qui va vous présenter ses sculptures capillaires et parfumées. C'est à nous. La musique en toi, yeah. Oh, la vraie musique en toi. Et pour notre dernier numéro de la soirée, voici les créations féeriques de Lily Framboise. De réunir autant de talents différents à Fraise et Paradis. Et j'espère que vous avez passé un excellent moment en compagnie de nos jeunes artistes. Merci. Et maintenant, passons à la remise des prix. La troisième place est attribuée à Mademoiselle Lily Framboise qui nous a enchantés avec ses merveilleuses robes lumineuses. Oh, j'étais sûre que tu gagnerais un prix. Le deuxième prix du jury va à notre délicieuse Mademoiselle Mimi Citron pour son incroyable zoo de chignons sculptés et parfumés. Et notre grand gagnant de ce soir est... Petit Pépin l'Ancien pour ses blagues hilarantes. Mais c'est moi. Oh, oh. Merci, merci, cher public. Merci. Merci.
que tu n'aies pas remporté le premier prix. Oh, je ne serais même pas arrivée troisième si tu ne m'avais pas suggéré d'illuminer mes robes. Merci du fond du cœur. De rien, les amis, c'est fait pour ça. Excusez-moi, mademoiselle Lily Framboise. Tenez, voici ma carte de visite. Appelez-moi quand vous aurez un moment. J'aimerais qu'on discute de vos fabuleuses robes lumineuses. Entre nous, c'était elles les véritables stars du spectacle. Vous avez de l'avenir, ma petite.